À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu. À toutes celles et à tous ceux qui lisent les journaux, surtout pour y trouver des histoires. Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard, au cours de laquelle vous pourrez entendre Madame Rock ne reçoit plus, une nouvelle radiophonique d'Yves Jamiac et Le petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Dans ce film délicieux, Fantôme à vendre, René Clair nous contait l'histoire d'un bon vieux château anglais, historique et hanté comme il se doit, qu'un milliardaire américain achetait et faisait démolir pierre à pierre, chaque pierre étant soigneusement numérotée. Le château, ainsi mis en pièces détachées, était transporté de l'autre côté de l'Atlantique et pieusement reconstitué dans un décor de canots et de gondoles vénitiennes, quelque part en Floride ou dans l'Illinois. Bien entendu, le fantôme était du voyage. Au fantôme près, c'est là exactement le thème du fait divers qui a inspiré à l'écrivain Yves Jamiac l'histoire que vous allez entendre dans un instant et qui est intitulée « Madame Rock ne reçoit plus ». Voici ce fait divers. Melbourne, Australie. Une propriétaire s'étant rendue dans les faubourgs de la ville pour rappeler à l'ordre son locataire qui tardait à payer son loyer, fut fort surprise de ne trouver ni le locataire, ni surtout la maison. La police le découvrit à quelques 200 kilomètres de là, avec la maison, qu'il avait enlevée pièce par pièce, et remonté à l'endroit où il a été arrêté pour enlèvement de maison. Je rappelle que pour l'envoi de ce fait divers, Mademoiselle Raymonde Dufour recevra la brochure dédicacée. Un tirage au sort a décidé par ailleurs que Mademoiselle Nicole Boucher à Paris, Monsieur et Madame Zana à Paris, Madame Angelini à Marseille et Madame Parra à Nîmes recevront chacun un roman policier à titre de consolation. Pas plus que dans notre fait divers, il n'y a de fantômes dans l'histoire écrite par Yves Jamiac. Mais il y a une voyante. Que faut-il penser des prédictions des voyantes, des cartomanciennes, des extralucides? Les uns y croient, les autres non. Peut-être vous ferez-vous une opinion. Nous vous présentons Marcel Genia, la voyante, Martine Sarcey, la jeune doctoresse, et Lucien Natt, le professeur, dans Madame Rock ne reçoit plus. Un fait divers d'Yves Jamiac. C'est pourquoi ? Madame Rock, s'il vous plaît. Ah, Madame Rock ne reçoit plus. Je suis le docteur Fontier. Ah, vous êtes le docteur Fontier ? Oui. Confier sa peau à des jeunesses comme vous, faut qu'elle vaille pas cher. C'est pourtant vous qui m'avez téléphoné. Madame, fallait un docteur. J'ai pris l'annuaire. De toute manière, vous n'avez rien à craindre. Je ne viens pas pour vous. J'aime autant. La vieille demeure au sixième. Madame Rock ? Bah, je dis la vieille parce qu'elle est vieille. Je monte avec vous, c'est moi qui ai les clés, vu qu'elle est à moitié gelée dans son lit. Ah, suivez-moi. Faites attention, il n'y a pas de minuterie. Entre nous, faites-vous payer tout de suite, parce que, je vous préviens, si elle meurt avant, personne ne paiera pour elle. Attention à cette marche-là, elle est cassée. À mon avis, elle passera pas la nuit. Comme si on avait ça à faire.
attention. Longer le mur, la rampe est cassée. Je lui souhaite pas de mal, mais à vrai dire, quand elle sera plus là, ça soulagera bien du monde. Attention à votre tête, baissez-vous. C'est la porte en face. Madame Rock, voyante. Fichtre. Ouais, voyante. Mais pas comme les autres. Une voyante qui ne vous dit rien de votre vie. Seulement votre mort. Pas de tarot, pas de boule de verre, rien. Elle vous regarde, c'est tout. Et elle voit votre mort. Vous pouvez pas vous imaginer ce que ça intéresse les gens de savoir comment ils vont crever. Entrez, là, voilà. Mame Rock. Hé, hey, Mame Rock. Vous entendez, Mame Rock? Hé, hey, Mame Rock. Je vous emmène le docteur. Là, les diableries qui commencent. Moi, je vous laisse. Qu'est-ce que tu veux? Vous soignez. Au diable! Personne ici. Va-t'en. Dehors. Soyez raisonnable, Madame Rock. Ouais, tu me déranges. Fous le camp. Eh bien, si vous recevez les gens de cette manière, vous n'avez pas dû en trouver souvent pour vous aider. Mais j'ai pas besoin d'aide. La mort, c'est pas un accouchement. Mais qui vous parle de la mort? Elle est assez grande pour me parler elle-même. Allez, dehors. Vous ne pouvez pas guérir seule, Madame Rock. Mais ce que j'ai dit, je voulais guérir. J'ai pas peur de la mort. Elle est mon amie. La mort n'est l'amie de personne. Et je suis là pour la vaincre. Oh, vraiment, ma poulette. Non, mais montre-moi ça, vite. Ça m'intéresse. Parfait. Dites-moi ce que vous ressentez. Ben, cherche et trouve, ma fille. Moi, j'ai toujours tout trouvé sans jamais poser de questions. Montrez-moi vos yeux. Regarde-les bien. Si tu sais lire, tu y trouveras de drôles d'histoires. Essayez de faire rouler vos yeux de droite à gauche. Laisse-moi d'abord fixer les tiens. Comme ça, là, de beaux grands yeux bleus, et transparents comme de l'eau claire. Sais-tu que j'y vois une chose bien curieuse? Je vous en prie, madame, j'ai pas le temps de... Ah, tu n'as pas le temps. Et tu veux vaincre la mort. Allons donc. La mort a le temps que tu n'as pas. C'est ça, sa force. Il y a de bien curieuses choses dans tes yeux, Anna. Comment savez-vous mon nom? Est-ce que je te pose des questions, moi? Ah, lâchez mes mains. Ah, une curieuse histoire dans tes yeux. Lâchez-moi. Tu as peur, Anna. Oui, tu as peur. Comme tous les autres, ils viennent tous me voir, et puis ils tremblent. Je n'ai qu'à prononcer leur nom pour qu'ils tremblent. Peux-tu savoir ce que j'ai vu dans tes yeux, Anna? Gardez votre marchandise pour la vendre quand je vous aurai guéri. Comment peut-être assez stupide pour croire que tu vas me guérir? Chacun son métier, n'est-ce pas? Bien, ma fille, chacun son métier. Le tien de croire, et le mien de savoir. Mais je te dis, moi, que ton orgueil te fondra comme du sel sur la langue. De quel orgueil parlez-vous donc? De cet orgueil qui te fait pencher sans répulsion sur mon vieux corps à demi-cadavre. Je parle de cet orgueil qui a signé un pacte avec mon destin. Je ne signe aucun pacte avec mes clients. Tant qu'ils sont malades, je m'occupe d'eux. Après, ils redeviennent pour moi des étrangers. Ben, c'est pas notre cas, ma fille. Lâchez mes mains! Je peux bien te lâcher, ma pauvre Anna. Il y a désormais quelque chose de plus solide que des mains pour nous unir. Que voulez-vous dire? Je ne dis que ce que je vois dans tes yeux. Regarde-moi bien. Le tournant de ta vie colle au jour de ma mort. Bravo, Madame Rock. Vous jouez admirablement votre rôle. Je vous enverrai des clients quand je vous aurai remise sur pied. Crains toujours, ma fille. On en reparlera bientôt. Je mourrai dans 3 jours au matin et toi le soir de ce jour. Tu verras le chemin droit de ta vie se tordre comme un fer rouge. Et vous trouvez des gens qui vous payent pour entendre ces sornettes?
Pour toi, ce sera gratuit, ma fille. Merci tout de même. Bon, en attendant, il m'est impossible de vous laisser toute seule ici dans l'état où vous êtes. Je vais vous faire transporter à l'hôpital. J'interdis qu'on m'approche. Ah, je suis au regret de me passer de votre consentement. Tu crois séparer ton destin en te débarrassant de moi? Mais nous sommes liés, ma poulette, d'un bout du monde à l'autre. Me débarrasser de vous, me voyons, Madame Rock. À l'hôpital, vous serez admise dans mon service. Après tout, tente ta chance, Anna. Ça ne durera jamais que 3 jours. Avoir la tête solidement plantée sur les épaules, mes amis, c'est la première obligation du médecin. Notre boulot consiste à se souvenir que 2 et 2 font obligatoirement 4. Et s'il vous paraît un jour que cela fasse 5, ne criez ni au miracle ni au mystère. Cherchez l'erreur. Inexplicable pour nous, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce qui est temporairement inexpliqué. Or, devant l'inexpliqué, il n'y a pas le choix. Une seule méthode. S'atteler devant le problème comme un bœuf devant une charrue et tirer de toutes les forces de sa volonté jusqu'à tracer les sillons droits et nets de la logique et de l'évidence. Quand vous aurez compris cela, mes jeunes amis, vous aurez compris tout votre métier. C'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes libre. Anna, vous retournez à l'hôpital? Oui, monsieur. Allons-y ensemble. Je suppose qu'il est un peu ridicule pour une bleue de la dernière couvée de te dire à son grand patron qu'il a été éblouissant. Je n'en croyais rien. Aucun compliment venant de vous ne me laisse insensible. Venant de moi, monsieur? Enfin, je veux dire, de vous autres, les jeunes. De vous aussi, en particulier, du reste. C'est normal. Vous êtes ma meilleure élève, n'est-ce pas? J'ai, en quelque sorte, comment dirais-je, miser sur vous. À 50 ans, on a encore le droit de mettre son espoir en quelqu'un. Non? L'espoir, c'est seulement au bout de l'espoir que commence la vieillesse. Auriez-vous la coquetterie de vouloir m'entendre dire ce que je pense de vous? Non, surtout pas, grand Dieu. Laissez-moi toutes mes illusions. Et puis, je parle de vous. Mais je pense aussi à tous les autres. À tous les jeunes que je veux convaincre. Je les veux solides comme un mur face aux charlatans des temps modernes. La logique voudrait que le progrès de la science démasque automatiquement les duperies. Oh, détrompez-vous. Il y a de nos jours une vague de superstition qui, hélas, n'atteint pas seulement les esprits faibles. J'ai vu des savants s'y laisser prendre. Savez-vous qu'il y a des médecins qui vont chez le guérisseur? Et même chez les cartes anciennes pour se faire dire la bonne aventure. Ah, à ce propos, puis-je vous poser une question ridicule, monsieur? Voyons. Imaginez, vous, le professeur Verdier, que vous rencontriez une personne que vous n'avez jamais vue, qui, de toute évidence, ne vous connaît pas, et qui soudain vous interpelle par votre prénom. Qu'en penseriez-vous? En vérité, ça me paraît tellement peu digne d'intérêt que je ne pensais surtout pas à m'en étonner. Pourquoi me posez-vous cette question? Je vous avais prévenu, monsieur, que c'était une question ridicule. Bonjour, docteur. Bonjour, Bertrand. Vous êtes encore de garde aujourd'hui? Que voulez-vous, ils savent que je suis un tendre. Alors ils me prennent par les sentiments, les vaches. Avouez plutôt que c'est l'odeur de l'hôpital qui vous plaît. D'accord, à tel point que je voulais parfumer ma petite amie à l'éther. Elle n'a pas voulu, tant pis pour elle. À part ça? 6 entrées ce matin, 2 urgences cardiaques, une demi-suicidée au chlorure de potasse. Oui. Ils ne savent plus quoi trouver pour faire original. Pour les 3 autres, ça se passe du côté des tripes, j'ai eu l'impression que ça pouvait attendre. Bien. Parmi les anciens, il y en a 9? Non. Ah si, la vieille dingue d'hier qui vous réclame à corps et à cri. J'étais obligé de la faire transporter dans une chambre d'isolement. Pourquoi? Mais parce qu'elle emmerde tout le monde, perdu. Nous allons voir tout ça. Ah, enfin, tu décides à venir. Est-ce pour la commodité de nos tête-à-tête que tu as eu la bonne idée de m'isoler, Anna? Ayez la bonté de ne pas me tutoyer, Madame Rock. Ici, les malades m'appellent docteur. Tu t'enfonces l'orgueil au cœur comme une épine. Plus il sera profond, plus tu souffriras. Je te préviens. Madame Rock, ici, le règlement exige que les malades prennent tous les médicaments qu'on leur donne. Soyez assez raisonnable, je vous prie, pour avaler ces 2 cachets. Mais ils m'ont déjà fait 4 piqûres depuis hier.
à croire que tout le monde ici est au courant. Au courant de quoi? Mais qu'un jour de gagné pour moi, c'est un jour de gagné pour toi. Mais ils auront beau faire, Anna, ils ne gagneront pas une seconde. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te bouges encore les oreilles avec ce ridicule instrument? Couchez-vous bien à plat et respirez profondément. Oh, ne sois donc pas stupide, Anna. Cesse de jouer cette comédie à laquelle ni toi ni moi ne croyons. Il est une comédie, Madame Rock, à laquelle je crois encore moins. Qui te demande de croire quoi que ce soit? Nous avons après-demain chacune un rendez-vous et rien ne pourra le faire manquer. Que tu le crois ou non, qui s'en inquiète? L'heure sonnera tout de même pour moi le matin et pour toi le soir. Respirez lentement. Lentement. Alors, qu'en penses-tu? Tout va très bien. Mais oui, très bien, n'est-ce pas? Comme prévu. Si vous avez besoin de quelque chose, vous sonnez là. Oh, vous êtes pleine d'attention, docteur. Êtes-vous comme ça avec tous vos malades? Rien ne vous autorise à penser le contraire. Docteur! Eh bien? Connaissez-vous le passage de la tour de Vanve? Non. Et vous ne connaissez personne qui demeure passage de la tour de Vanve? Personne. Pourquoi me posez-vous cette question? Parce que c'est dans cette rue-là que tu vas avoir rendez-vous avec ton destin, Anna. Vous divaguez, Madame Rock. Docteur! Docteur! Qu'y a-t-il, Berthe? En rangeant les vêtements d'un nouvel arrivé, j'ai fait tomber ça de sa poche. Eh ben, si vous tremblez comme ça avec ce revolver pointé dans ma direction, d'ici une seconde, vous avez un crime sur la conscience. Oh, mon Dieu! Vous croyez qu'il est chargé? Ben, il en a tout l'air. Donnez-moi cet instrument. Je le mettrai sous clé dans le tiroir de mon bureau. Dites-moi, Berthe. Docteur? Avez-vous déjà entendu parler du passage de la tour de Vent? Oh, oui, vaguement. Ça doit se trouver vers la porte d'Orléans. Ah bon? Oh, d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Allô, docteur Fontier? Oui. Est-elle chez elle? La part du professeur Verdier. Merci. Allô, Anna? Oui. Dites-moi, ma petite fille, ça vous amuse de me faire perdre mon temps? Comment, pourquoi? Ben, vous m'arrachez les oreilles à coups de sonnerie de téléphone pour que je vous donne mon avis sur un cas soi-disant complexe. Je lâche mes rendez-vous, je bouleverse mon emploi du temps, je me précipite à l'hôpital pour y trouver quoi? Une vieille bonne femme tannée qu'un potard de première année pourrait traiter sans se poser de problème. Une bronchite banale, on ne peut pas plus banale. C'est ça, votre cas complexe? Quoi, le cœur? Mais il a l'âge de la bonne femme. Comment? Ben, je pense bien. On a vu qu'il irait comme ça des années. Demain? Mais pourquoi voulez-vous qu'elle meure demain? Quoi? Vous êtes certaine de ne pas vous surmener? Oui, eh bien, je vous prierai de ne plus me déranger pour les cas de conscience que pourraient vous causer à l'avenir les rhumes de cerveau de vos malades. Quant à la grand-mère, je souhaite qu'arrivée à son âge, vous en soyez au point où elle en est aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi. Bonsoir. Attention, attention. Doucement, là. Soulevez-la. Mais attention à sa jambe. Non, ne la touchez pas. Le docteur arrive. Qu'est-ce qui se passe? C'est la petite pulmonaire de la chambre 15, docteur. Elle s'est jetée par la fenêtre. Elle est évanouie. Bah, écartez-vous un peu. C'est la jambe droite qui a pris. Hein? Il semble qu'il y ait double fracture. Dieu merci, elle en sera quitte pour le plâtre. Elle revient à elle. Alors, mon petit, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Je guérirai pas. Je guérirai pas. Ça ne sert à rien. Tout ce que vous faites ne sert à rien. Je guérirai pas. Allons, allons, mon petit. En voilà des idées. C'est sûr. Je guérirai pas. Elle sait tout. Elle me l'a dit. Qui t'a dit ça? La voyante. Elle est venue dans ma chambre. Elle sait tout. Elle m'a dit que c'était fini, que je guérirai pas. Jamais. Plus jamais. Bertrand. Oui? Transportez-la à la chirurgie. Je vous rejoins. Attends. Voilà satisfaite, Madame Rock. La petite s'est jetée par la fenêtre de sa chambre. Mais elle ne s'est pas tuée, n'est-ce pas? Je vais vous faire changer de service, vous entendez? Chez les fous. Dès demain, vous serez enfermée avec les fous. Demain. As-tu la mémoire si courte, Anna? Demain, nous aurons bien d'autres choses à faire. Moi, que d'être chez les fous, et toi, que de m'y faire enfermer. Demain.
pauvre idiote. Vous avez le cœur pourri de méchanceté. Toute votre vie, vous vous êtes vautré dans le désespoir des autres. Parce que la vérité, c'est toujours le désespoir. Je n'ai dit que la vérité. C'est mon droit. Ce que vous avez dit à cet enfant n'est pas la vérité. Qu'elle était incurable, c'est pas la vérité. Oh, London, j'ai vu sa mort dans ses yeux. Elle pouvait toujours se jeter par la fenêtre. J'étais bien certaine qu'elle ne durerait pas. C'est sa maladie seule qui la tuera. Et ils pourront toujours réunir autour d'elle toute la science de la Terre. Ils l'enterreront avec sa jambe cassée. Dans un an, tu entends, vieille sorcière? Dans un an, cette enfant sera guérie. Elle sera la preuve vivante de tes petits crimes quotidiens. Des petites saletés pour lesquelles on payait. Je vais faire garder votre porte. À partir de cette seconde, vous êtes enfermée. Comme une bête malfaisante. Oh, sois tranquille, je n'importunerai pas longtemps les gardes. À 5 heures demain matin, ils pourront disposer. Tout sera terminé. Tu entends, Anna? À 5 heures demain matin. Même en cela, vous vous trompez, Madame Rock. Anna, au cas où nous ne nous reverrions plus, je te rappelle, demain soir, passage de la tour de Vanve. Allô, Louvier? Dites-moi, Louvier, avez-vous reçu les radios de la petite Magnan, chambre 15? Bon, voulez-vous me les apporter? Oui, tout de suite, vous serez gentil. Merci. Ah! Voici les radios. Montrez. À votre avis, Louvier? C'est moche. Les deux poumons sont atteints. La gosse n'a pas grand chance de s'en tirer. Paula, ce soir je sors. Je rentrerai peut-être très tard. Et en cas d'urgence? On ne pourra pas me joindre. Passez-moi mes boucles d'oreilles. Mais si vraiment... Je ne sais pas où je serai. Dans une boîte de nuit, peut-être. Avec des amis ou seule. J'en sais rien. Je sors, c'est tout. Mais docteur... Docteur, quoi docteur? Ça ne vous arrive jamais d'avoir besoin de vous évader? De sortir de votre cadre? Ça ne vous arrive jamais d'étouffer dans vos obsessions? Donnez-moi mon bracelet. Non, pas celui-là. La chaîne d'or. Vous feriez mieux de vous reposer, docteur. Oui, c'est ça, me reposer. Je vais passer ma jeunesse entre l'hôpital et ma chambre. Je vais attendre les rides et les poches sous les yeux. C'est bien ça, hein? Mon étole? Mais vous ne pouvez tout de même pas vous désintéresser des cas urgents. Mais ce qui m'intéresse ou non, ça me regarde. Du reste, puisque vous vous inquiétez tant de ce qui m'intéresse, je vais vous le dire. Tout ce qui n'a pas l'odeur d'éther, d'iode ou de camphre m'intéresse. Tout m'intéresse ce soir, pourvu que ça ne sente pas la moiteur des corps malades. Pourvu que ça ne se débatte pas contre la douleur et la mort. Pourvu que ça ne sanglote pas dans des draps blancs. Que ça ne se transporte pas sur des chariots silencieux. Oh, les fronts fiévreux, les délires, les plaintes, les petits bouts d'existence accrochés au bout d'une seringue ou nageant dans 3 gouttes de poison. Ah, je vais m'ôter tout ça de la tête, Paula. J'en peux plus, vous entendez? Je n'en peux plus! Allô? Non, le docteur Fontier est sorti. Je ne peux pas vous dire. Rappelez plus tard. Oui, c'est cela. Allô? Le docteur Fontier n'est pas encore entré. À quelle heure? Je ne peux pas vous dire. Allô? Non, le docteur était sorti pour la nuit. Oh, elle ne tardera plus maintenant. Rappelez, s'il vous plaît.
Vous, docteur? À 5 heures du matin? Rien de neuf, Bertrand. Si, justement. La vieille vient de mourir. Alors, j'arrive trop tard. C'est le cœur. Oui, le cœur. Nous avons trouvé ce morceau de papier à votre nom sur sa table de nuit. Passage de la tour de Vent, numéro 45. Eh ben voilà, je retourne chez moi, mon petit Bertrand. Dormir un peu. J'ai une de ces gueules de bois. À plus tard. Mmh. Taxi. 38 rue de la Condamine. Alors, on peut dire que vous êtes vernie, ma petite dame. Trouver un taxi à 5 heures du matin, et que ce soit justement mon chemin. Et à cette heure-ci, c'est l'heure où on roule le mieux, tiens. Pas de chauffeur, pas de flic. On a la rue à soi. Au fond, on devrait vivre quand les autres dorment. Trouvez pas? Oh, il fait frisquet ce matin. Hein. Et à quel numéro de la rue déjà, s'il vous plaît? 45, passage de la Tour de Vent. Ah, 38 rue de la Condamine. Attendez. Non, j'ai réfléchi. 12 rue du Mont-Cenis, s'il vous plaît. Quoi? Quoi, rue du Mont-Cenis? Oh, mais dites donc, ça marche plus du tout, ça. Mais je ferai ce qu'il faut. Ça, alors. Oh, c'est vous, mademoiselle Fontier. Excusez-moi, je vous ai fait attendre, mais à cette heure-ci... Je vous en prie, Maria, c'est bien naturel. Le professeur n'est pas encore levé. Je m'en doute. Mais je pense que si vous êtes là, c'est qu'il y a urgence. Je vais... Non, non, faites rien. J'attendrai son réveil. Mais je peux aller... Non, surtout pas. J'attendrai. Entrez au moins au salon. Vous serez tout de même mieux. Merci, Maria. Où ça? Je l'ai fait attendre dans le salon, monsieur le professeur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Anna! Hé, hey, Anna! Oh, bonjour, monsieur. Je crois que je me suis assoupie. Ça m'en a tout l'air. Eh bien, collègue, qu'est-ce que c'est que cette mine de papier mâché? Madame Rock vient de mourir. Et c'est pour ça que vous venez vous écrouler chez moi à 5 heures du matin? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, ma petite amie. Vous m'avez dit hier au téléphone... Ben, j'ai dit, je ne vous ai pas signé un bulletin de garantie. À son âge, on a des raisons de mourir sans prévenir la faculté. Elle m'avait prévenu. Ben, en ce cas, je ne vois pas ce qui vous surprend. Mais comment pouvait-elle savoir? Quoi? Qu'elle avait 85 ans? Maria! Monsieur le professeur? Faites-nous du café, et bien fort, pour le docteur Fontier. Bien, monsieur le professeur. Alors, votre madame Rock est morte, et après, que voulez-vous que j'y fasse? Vous avez raison, monsieur. Je suis stupide, excusez-moi. Mais je ne veux pas vous importuner davantage. Au revoir. Non, pas avant d'avoir bu votre café. Anna, racontez-moi tout. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tout à l'heure, je titubais, j'allais tomber... J'avais besoin de vous sentir près de moi, comme un mur bien solide. Maintenant, je vous vois et... Oh, j'ai honte. Laissez-moi partir. Allons, Anna. Dites-moi la vérité. Que représentait pour vous cette vieille femme? Rien. C'est se mettre dans un curieux état pour pas grand-chose. J'aurais juré qu'elle était au moins votre ange gardien. Que voulez-vous dire? Le café, monsieur le professeur. Posez tout ça sur la table, Maria. Ainsi... Madame Rock savait qu'elle allait mourir. Oui. Et elle en avait elle-même fixé la date. Oui. Ouais, très intéressant. Versez donc le café. Dites-moi, ma petite fille, quelle était la profession de votre bonne femme? Comment, monsieur? Deux sucres, merci. Je vous demande la profession qu'exerçait la bonne femme. Mais je... Vous ne vous servez pas? Si, si. Ainsi, vous ignorez sa profession? Oui. Et à part sa mort, qu'avait-elle prévu encore? N'avait-elle rien prévu d'autre? Hein? Et je vous parle, Anna. Oui, oui, j'entends, monsieur. Alors? Oh. Excusez-moi, je me sens tellement ridicule. Je ne vous fais pas dire, mais je ne vous tiens pas pour quitte. Qui, d'après elle, doit encore mourir? Allez, n'hésitez pas, au point où nous en sommes. Une petite de 15 ans, hospitalisée au pavillon 3. Ah, eh bien, nous voilà délivrés d'un rude souci. Au moins, on sait à quoi s'en tenir sur le sort de cette gosse. Bon. Et qui encore?
la vieille, la petite, et qui encore? Je vous en prie, Anna, ayez au moins le courage d'aller jusqu'au fond de l'absurde. La vieille, la petite, et qui? Je ne sais pas. Elle m'a seulement dit qu'il devrait m'arriver. Quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne savez pas ce qui doit vous arriver, mais vous savez quand, peut-être? Ce soir. Ah, bah, voilà au moins quelque chose de précis. Ce soir, il doit vous arriver, vous ne savez pas quoi. La bonne femme est partie avec son petit secret. Ah, c'est pas chic, pensez, pendant qu'elle y était. Elle m'a donné qu'une adresse. Ah, tout de même. Quelle adresse? 45 passage de la Tour de Vanves. 45 passage de la Tour de Vanves. Ah, ça, c'est de la belle voyance, du beau travail. Ça vaut la peine de se rendre complètement idiot. Ah, ma parole, ça me trouble. Je ne sais plus où j'en suis. Quand je vous regarde et que je pense que ce soir, vous serez... Au fait... Que vous serez quoi? Que va-t-il vous arriver ce soir? Quoi? Vous serez morte, peut-être? Oh, je vous en prie, monsieur, j'en peux plus. Je suis épuisée, je sais plus ce que je dois penser. Je retourne mes idées dans ma tête, je détaille tout le stupide de cette histoire. Je trouve plus de mots pour qualifier mon comportement. Cependant, la vérité, c'est que j'ai peur. Voilà le mot lâché. Et la seule chance que la vieille ait d'avoir raison, c'est que tu claques de peur. Que penses-tu que je fasse devant ta peur? Que je te chouchoute comme une nourrice? Les nerfs malades, ça se soigne à la douche. Si tu ignores ça, qu'est-ce que tu fous dans la corporation? Va faire encadrer tes diplômes et fabrique des gosses pour les faire brailler devant. Ils serviront au moins à quelque chose. Et toi aussi. Oh, il faut que vous me sortiez de ce mauvais tournant. Tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, je l'ai fait. Je t'ai appris ton métier, la manière de s'en servir. J'ai reposé sur toi toute ma confiance. J'ai cru que tu la méritais. Je suivais tes efforts avec orgueil. Je me disais, en voilà une au moins qui est solide. Ah, parlons-en. Un pigeon pour Romanichel. La seule chose que je puisse faire pour toi, c'est de te montrer cette porte et de te rappeler qu'il y a une petite de 15 ans hospitalisée au pavillon 3 qui se fichait perdument des problèmes de métaphysique du docteur Fontier. Cette petite n'a aucune chance de s'en tirer. Répète ça à voir. J'ai examiné ses radios. La vieille avait raison. Adieu. Ah non, ma fille, non, non. Une pierre de gifle, ça ne suffit pas. T'en tireras trop bon compte. Non, non, non. Ta petite personne, ta petite santé, tes petits complexes, tout ça, ça te regarde. Mais tout ce que je t'ai enseigné, toutes les heures de ma vie que tu m'as bouffé, la patience et l'espoir que je t'ai confié, tout ce que tu portes en toi qui m'appartient, tu n'as pas le droit de l'emporter en foutant le camp comme une voleuse. Écoute-moi bien. Tu vas me sauver cette gamine, tu entends? Ça te coûtera la peine que ça te coûtera. Devrais-tu en crever d'épuisement, tu me sauveras cette gamine. Aucune chance de s'en tirer. Ça n'existe pas, ça, il existe toujours une chance. Je veux que tu la trouves, cette chance. Tu vas me sauver cette gamine, tu entends? Tu entends ce que je te dis? Alors, dis-moi que tu vas la sauver. Dis-moi que tu vas me la sauver. Oui, monsieur. C'est bien. Encore un peu de café, docteur Fontier? Vous pouvez disposer de votre soirée, Paula. Je vais me coucher de bonne heure ce soir. Ah, vous voilà devenue raisonnable. J'en suis bien contente. Ma petite Paula, vous pouvez dormir tranquille. Je me sens absolument calme. Enfin, disons calmée. Vous êtes une chic fille. J'ai dû vous paraître cinglée, non? Ce sont des choses qui ne se disent pas, docteur. Je vous permets, moi, de les dire. Pour l'instant, je vais me coucher et dormir. Sagement. En somme, vous n'avez plus besoin de rien? Non, non, merci. Bonsoir, Paula. Allô? C'est elle-même, oui? Un cas urgent? Oui. À quelle adresse, monsieur? Un instant, je prends note. Oui. 45. Allô? Oui, j'avais raccroché par mes gardes. Oui, oui, j'entends, oui. Oui, c'est noté. 45. Passage de la Tour de Vanves. Oui. Allô? Qui est à l'appareil? Allô? Allô? Oh, c'est impossible. C'est impossible. Un cas urgent. Non, j'ai pas dû bien entendre l'adresse. On rappellera sûrement. Oui, c'est ça. On va rappeler. Allô? Oui, justement. Voulez-vous me répéter l'adresse, s'il vous plaît? 45, passage de la Tour de Vanves.
Merci. C'est une plaisanterie. C'est une mauvaise plaisanterie. Un cas urgent. Urgent. De toute urgence. Oh, allons donc. Un cas urgent. Oh, je suis épuisée. Je veux dormir. Il faut que je dorme. Que je dorme. Mais bien sûr, c'est une plaisanterie. Non, je n'irai pas. Je suis épuisée. J'ai plus la force de... 45 rue. Oh, je n'irai pas. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Et pour madame ? Un cognac. On peut téléphoner ? Oui, demandez un jeton à la caisse. Allô ? Allô, le professeur Verdier, s'il vous plaît. C'est de la part de... Oh, non, non, ça n'a aucune... Non, ça n'a aucune importance, excusez-moi. Un cas urgent. 45 passages de... Oh, le hasard. Une plaisanterie. Aucune importance, je n'irai pas. Je n'irai pas. Un film en cinémascope, une mise en scène grandiose, une action brutale qui vous tient en haleine, avec en première partie un documentaire sensationnel sur la vie secrète des marécages et les dernières actualités du monde. Et sous les eaux stagnantes, une vie imperceptible bat au rythme d'un univers inconnu, puissant et multiple. Voici le monstre le plus vorace de cette faune. C'est un insecte de 3 mm de long, dont la ponte s'effectue bi-quotidiennement dans les anfractuosités rocheuses des grands fonds marins. Un cas urgent. Le hasard n'en demande pas tant. Un cas urgent. Porter assistance à toute occasion. Un cas urgent. 45. Passage de la tour de Vanve. Voici maintenant le combat le plus étrange qui se puisse concevoir. Une lutte à mort au royaume des infiniment petits. Observez d'abord le regard féroce de ce sujet. Pardon. L'audace et le courage. Encore, elle vient d'arriver. Il y a des gens qui viennent au cinéma pour empoisonner le monde. Sortez, quoi. Assis. Bonsoir, Berthe. Vous voyez, la force de l'habitude. Je flânais dans les rues et sans que je m'en rende compte, nous voici devant l'hôpital. Vous êtes de sortie ? En vérité, docteur, si nous n'avions pas ces quelques soirées de libre, nous finirions par oublier qu'il existe des gens en bonne santé. Je suis bien de cet avis, Berthe. Il ne faut pas complètement perdre sa vie dans celle des autres. Amusez-vous bien. Merci, docteur. À propos, le cardiaque de la chambre 18 sort demain. Ah ? Et je vous dis ça...
À cause du revolver qui est dans votre bureau, ça lui appartient. Ah oui. Bon. Nous lui rendrons son arme. Bonsoir, Berthe. Bonsoir, docteur. Tout de même, docteur, soyons sérieux. Vous ne tenez plus debout. Depuis ce matin, à 5 heures, on vous voit dans les couloirs de l'hôpital. À 9 heures du soir, vous en repartez et à 11 heures, on vous y retrouve. Oh, ne vous fâchez pas, Bertrand. J'ai oublié quelque chose dans mon bureau. J'en ai pour une seconde. Je vous en accorde deux, docteur. À la troisième, je vous mets dehors avec un somnifère. Taxi. 45, passage de la Tour de Vanves. Voilà ce qui compte. Un cas urgent. Ma petite personne, ma petite santé, mes petits complexes, ça me regarde. Mais j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Un cas urgent. Une farce. Ou bien... Dites-moi, madame, vous avez bien dit au 45? Oui. Du passage de la Tour de Vanves? Oui. C'est que nous sommes au 37 et... Et quoi? Ben après le 37, c'est plus le passage de la Tour de Vanves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le numéro 45 n'existe pas. Comment? Ben voyez vous-même. Après le 37, c'est un terrain vague. Et après le terrain vague? C'est un boulevard extérieur. Ça ne fait rien. Laissez-moi là, je vais me renseigner. Combien vous dois-je? 250 francs. Voilà. Merci, madame. Urgent. Une farce. Un terrain vague. Une farce ou bien... Oh. Les nerfs, ça se soigne. À la douche. Oh, je veux comprendre. Je veux savoir. J'irai jusqu'au bout de ce terrain vague. Pour savoir, pour comprendre. Cette farce. Ou bien... Bonsoir, Anna. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout de même bien d'être venu. Vous? Vous, c'est vous, professeur Verdier? Oui. Tu vois, le 45 du passage de la Tour de Vanves n'existe pas. Je m'étais renseigné cet après-midi. Je me suis donné rendez-vous ce soir pour te prouver que j'avais raison. Et aussi pour savoir si tu aurais le courage de venir. Tu es venu, c'est bien. Mais je ne prévoyais pas ce petit détail. Oh, mais pourquoi? 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 Peut-on jamais savoir pourquoi la sagesse vous quitte? Pourquoi le cœur s'accroche à l'espoir le plus déraisonnable? Que voulez-vous dire? Après tout, voilà peut-être l'occasion de te dire qu'à mon âge, on peut encore aimer. Oh, mon Dieu. Oui. C'est surprenant, n'est-ce pas? Au fond, pourquoi pas? La prédiction de Madame Rock, c'était peut-être ça. Appelle du secours, mon petit. Je dirais qu'un inconnu m'a blessé. Je vous sauverai. Je vous sauverai. Je vous sauverai. Crois-tu qu'il y ait encore une chance? Il y a toujours une chance, professeur. Merci, ma petite fille. Ni toi, ni moi, dans cette aventure, n'avons perdu notre temps. Madame Rock ne reçoit plus. Nouvelle radiophonique d'Yves Jamiac, qui est interprétée par Martine Sarcey, dans le rôle d'Anna, et Lucien Natt dans le rôle du professeur Verdier, avec Geneviève Morel, Becky Rosanès, Montcorbier, Françoise Jacquier, Jeanne Dorival, Yves Duchâteau, Jean Bollot, Jean Chevrin, Pierre Hamel, Robert Miller, Gaëtan Georges, Jean Mauvais, et Marcel Géniat dans le rôle de la voyante. Bruitage, Gabriel Derivage. Thank you.
Nous remercions cette semaine de leurs envois antérieurs M. Jean Souchu à Fontenay-sous-Bois, Seine, M. Rostand à Marseille, Mme Guillon à Joinville-le-Pont, Seine, M. Pierre Mingot à Langoiran, Gironde, M. Léopold Deluc au Ménil-le-Roi, Seine-et-Oise, M. Georges Bassillot à Villiers-sur-Marne et M. Émilien Blanchet à Versailles. Pierre Véry vous a annoncé la semaine dernière que nous désirions apporter quelques petites innovations dans le déroulement de notre émission à l'occasion de l'ouverture de ce nouveau cycle de faits divers. Voici celles que nous vous proposons aujourd'hui sous la forme de ce que nous appellerons le jeu des titres. Chaque semaine, nous vous donnerons lecture d'un fait divers, choisi parmi ceux que vous nous adressez, et nous vous poserons la question suivante. Quel titre auriez-vous donné, dans un journal, au fait divers que vous venez d'entendre? Il faut bien entendu que ce titre soit court, incisif. Il faut qu'en un mot, chers amis de l'émission Fait divers, vous vous transformiez pour un instant en journaliste pour trouver un titre susceptible de capter l'attention du lecteur tout en restant approprié au sujet. Inutile de vous dire que nous n'excluons pas l'humour, bien au contraire. Voici donc le fait divers pour lequel nous vous demandons de vouloir bien nous suggérer un titre. Rome, un message de naufragé qui remonterait à la fin du XVIIIe siècle, a été trouvé par un jeune homme sur une plage près de Riccione. Le message, rédigé sur un fragment de carte géographique, est contenu dans une bouteille. Il aurait été envoyé par les survivants de la goélette vénitienne Prisia, qui aurait sombré sur la côte orientale de l'Adriatique, et il porte la date du 3 mars 1795. Le meilleur titre sera lu au cours de notre émission du 26 octobre et son auteur recevra en récompense un roman policier. Contrairement à ce que nous avons fait jusqu'ici, chers auditeurs, ce n'est pas moi qui vous dirai cette semaine le fait divers qui a été retenu pour une émission ultérieure. Nous avons pensé en effet que ce serait agréable pour vous d'entendre les auteurs qui collaborent avec nous venir vous dire eux-mêmes le fait divers qu'ils ont choisi et peut-être vous exposer les raisons pour lesquelles ils l'ont choisi. Nous avons donc le plaisir, en ce moment, d'avoir à côté de nous mon ami Pierre Léo, le scénariste, qui va lui-même vous annoncer le fait divers dont il a l'intention de tirer une histoire. À vous, Léo. Eh bien, voici le fait divers en question. De nouveaux contrebandiers de cigarettes américaines arrêtés à Cagnes, Nice. Des contrebandiers de cigarettes américaines ont été surpris par les douaniers alors qu'ils tentaient de débarquer leurs marchandises aux environs de Cagnes-sur-Mer. L'embarcation qui transportait les cigarettes a pu reprendre la mer avec sa cargaison, mais plusieurs comparses ont pu être arrêtés. Les inspecteurs du service de répression des fraudes ont commencé leurs interrogatoires pour essayer de retrouver les chefs de cette organisation qui, on le sait, opère sur la Côte d'Azur depuis de longues années. Eh bien, voulez-vous nous dire, monsieur Léo, quelles sont les raisons qui ont plus particulièrement retenu votre attention sur ce fait divers et qui vous ont inspiré? Qui m'inspireront, parce que pour le moment, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, parce que ce sont surtout des raisons négatives qui me l'ont fait retenir parmi les autres. Vous ne fumez pas, peut-être? Je fume, si, mais je ne fume pas de cigarettes américaines. Ensuite, je connais le Midi, la Côte d'Azur, mais je ne suis jamais encore allé à Cagnes-sur-Mer. Et alors là, je peux vous l'assurer, je n'entretiens aucune relation avec les contrebandiers. En êtes-vous certain? Absolument sûr de ce côté-là. Et alors, dites-moi, pour toutes ces raisons, disons négatives, je pense que je vais pouvoir laisser aller en toute liberté mon imagination, enfin, si imagination il y a. Mais il faut qu'il y ait de l'imagination, je le souhaite, je touche du bois. Est-ce que vous pourriez d'ores et déjà nous dire tout de même si vous entendez tirer une histoire amusante ou une histoire tragique de ce fait divers? Amusante ou tragique? Peut-être ni l'un ni l'autre, disons dramatique. Dramatique. Parce que le milieu des contrebandiers, oui, et des douaniers, oui, se prêtent davantage à une histoire de mouvement, d'action. Oui, pas de une fumée. Histoire comique. Pas de fumée sans coup de feu, si j'ose assez m'exprimer. Touchez pas aux blondes. J'ajoute que ce fait divers nous a été envoyé par M. Philippe Raymond à Paris, qui, selon notre tradition, recevra la brochure dédicacée par l'auteur et les principaux interprètes. Petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure. Les livres lus par Germaine Beaumont. Nous avons déjà remarqué depuis un certain temps
une des tendances du roman policier qui consiste à se baser sur des problèmes psychologiques et à rattacher étroitement l'énigme criminelle à l'énigme humaine. Le dernier roman de Georges Simenon, L'horloger d'Everton, s'engage très avant dans cette voie. Il s'appuie en effet sur un des pires drames actuels, celui de la jeunesse délinquante, et sur la part de responsabilité qui peut incomber aux parents lorsqu'un de leurs enfants sort du droit chemin. L'horloger de la petite ville d'Everton aux États-Unis est ce qu'il est commun et naturel d'appeler un honnête homme. C'est également un homme sensible dont la vie a été marquée par deux grands chagrins. Le premier, lorsqu'il était adolescent, parce que sa mère, veuve, s'est remariée, et le second, lorsque sa propre femme, qu'il avait d'ailleurs fort mal choisie, s'est enfuie en lui laissant la charge de leur bébé, le petit Ben. Dave s'est alors consacré entièrement à son fils qu'il aime profondément. Il n'a pas voulu refaire sa vie, il a fondé pour Ben et lui un foyer, confortable certes, mais tristement dépouillé de toute atmosphère féminine. Et ceci dit, les meilleurs exemples de devoir, de travail et de vertu sociale n'ont jamais manqué à l'enfant. On se demande donc pourquoi ce garçon protégé et chéri quitte brusquement à 17 ans le domicile paternel en enlevant une gamine pas même âgée de 16 ans. Ce ne serait peut-être pas bien grave puisqu'il semble résolu à l'épouser, mais hélas, cette fugue amoureuse se complique dramatiquement de vol et d'assassinat. Comment Ben en est-il venu là? Que lui a-t-il manqué? C'est la question que se pose le père désespéré, tandis que toutes les polices des États-Unis, alertées, traquent sur les routes le malheureux petit couple. Cette poursuite d'une part, cette question de l'autre, constitue un dramatique suspense. Nous voyons se dérouler en sens inverse deux destinées. Celle du fils roulant vers l'abîme, celle du père remontant vers le passé et s'interrogeant. On peut donc placer indifféremment ce livre, soit parmi les bons récits criminels, soit parmi les bons romans psychologiques. Dans « Vague de chaleur », paru comme l'horloger d'Everton aux presses de la Cité, il s'agit d'un tout autre problème. « Vague de chaleur » est de Dana Moseley, et je me hâte d'en parler avant les grands froids, car un peu plus tard, ce titre paraîtrait saugrenu. Le problème suggéré par l'auteur avec beaucoup d'habileté a trait aux répercussions que peuvent avoir la gentillesse et la beauté sur un entourage assez médiocre et assez laid. Or, la petite Madame Pettigrew, héroïne du livre, est abondamment pourvue de beauté et de gentillesse. Malheureusement, une imprudence de sa part l'expose à de très grands dangers. Au plus fort de la canicule, elle s'est approchée, complètement dévêtue, d'une fenêtre ouverte. Et, comble de calamité, on l'a vue. La voilà persécutée par un collégien dont l'oncle est un maître chanteur, par un faible d'esprit et par une voisine acariâtre qui se croit des raisons d'être jalouse. Tout cela finit par un meurtre, bien entendu, et je ne nommerai pas la victime. Et cela finit également par un bon roman policier de plus. Les spectacles vus par Roger Régent. Les Parisiens peuvent voir cette semaine deux ouvrages, une pièce et un film, dont les sujets sont identiques. Mais les analogies s'arrêtent là, car ce film et cette pièce ne se ressemblent guère. Quant aux auteurs, à l'esprit de qui viendrait-il de comparer Janson et Tchekhov? C'est en effet d'eux qu'il s'agit, et vous avez deviné que je veux vous parler de Madame du Barry, le nouveau film de Christian Jacques, et de La Cerisaie, le nouveau spectacle que donne la compagnie Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault. Le propos des auteurs, donc, est semblable en ceci, qu'ils s'attachent l'un et l'autre à brosser le tableau d'un monde, d'une société, d'un régime disparu et enfoui sous les tumulus des révolutions. À ceci près toutefois que lorsque Tchekhov écrivit La Cerisaie, il y a 50 ans, la société qu'il décrivait comme vouée à une fin prochaine était toujours debout. Alors que ce Versailles du XVIIIe siècle, que nous montrent aujourd'hui Janson, Christian Jacques et Albert Valentin, il y a près de 200 ans qu'il s'est écroulé. Il est visible que cette Madame du Barry est entièrement conçue, écrite et réalisée pour son interprète principal, Mademoiselle Martine Carole. Avec Janson et Martine, on peut imaginer que sa barde, comme dit Eddy Constantine,
les mots d'auteur, les décolletés et les retroussés, on nous en abreuve généreusement. Les premiers sont inégaux. En revanche, les seconds sont égaux à eux-mêmes. Naturellement, il ne faut pas aller voir ce film pour apprendre son histoire de France. On aurait des surprises ensuite en apprenant la vraie. Mais enfin, le cinéma n'est pas l'école. Et en définitive, on ne s'ennuie pas devant cette imagerie qui est souvent d'un goût douteux, mais haute en couleurs et truculente. Avec La Cerisaie, nous changeons de musée. De chez Grévin, nous passons, disons, à Carnavalet. Tchekhov nous montre une famille bourgeoise dans la Russie tsariste du début de ce siècle. Le domaine familial, La Cerisaie, élément symbolique de l'histoire, va être vendu parce que ses maîtres n'ont plus les moyens de l'entretenir. Et à la fin, il quitte La Cerisaie qui a changé de main et s'éparpille sur les routes de la Grande Russie, où ils vont traîner sans doute jusqu'aux journées d'octobre 1917. Le spectacle monté par Jean-Louis Barrault est d'une très grande qualité. Peut-être a-t-il souligné un peu trop le côté prophétique de la pièce de Tchekhov, mais le dessin des personnages, à la fois dans la conception de l'auteur et dans la réalisation du metteur en scène et des acteurs, ce dessin est d'une admirable sûreté de traits. D'une troupe parfaitement homogène, on peut détacher cependant Pierre Bertin, Jean Servais et Jean de Sailly qui font des compositions saisissantes. Il fallait d'ailleurs mettre l'accent sur les êtres humains du drame, et Jean-Louis Barrault l'a bien compris. La Cerisaie, c'est une galerie de personnages fossiles, merveilleusement dessinés sur les murs de la grotte, mais en réalité, il n'y a pas de pièce. Et c'est peut-être pour cela qu'en définitive, malgré la qualité de cette soirée, nous restons un peu sur notre faim. L'histoire que vous pourrez entendre mardi prochain a été inspirée par le fait divers suivant. Quatre lapins ont été dérobés au laboratoire de Chantilly. Le cancer et la tuberculose leur ayant été inoculés, ces lapins présentent un grave danger pour ceux qui les consommeraient. Cette histoire est de Pierre Boileau et Thomas Narcejac, qui lui ont donné ce titre pour le moins inattendu, Une preuve d'amour. La Radiodiffusion française vous a présenté Faits divers, une émission de Pierre Véry et Maurice Renaud, réalisée par Pierre Billard, au cours de laquelle vous avez pu entendre Madame Rock ne reçoit plus, une nouvelle radiophonique d'Yves Jamiac, et Le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure, avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son, Jean Delanduc. Opérateur, Charles Marié. Assistant, Jean Garretteau.